Putain. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui m'appelle. Bon, ça a pas bougé depuis qu'on est parti. C'est pas comme s'il y avait grand-chose à voler. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. Oh. Oh, ça fait alors soigner son bras. Je ressors chercher ma bécane. Et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller? Ouais. Cool. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Nero. Ils doivent avoir des bandages stériles ou... Attends, laisse pas ma bécane là-bas. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé hey, j'ai des munitions, si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. Hé hey, laisse mon fusil à pompe. Hé, hey, Boozer. Ok, tiens. Voilà. Merci, frangin. Je me sens à poil sans lui. Alors les casiers d'armes vous permettent d'accéder à toutes les armes achetées. Les armes trouvées sur le terrain ne peuvent être stockées dans votre casier. C'est mon pistolet, on a mis un silencieux. Arbalète. Alors il est possible que l'arbalète je l'ai parce que j'ai pris la version collector. Bon sang, Boozer. L'état de ton bras va s'aggraver. Fais chier. Faut que je trouve de quoi soigner son bras. Regardez ce que je peux prendre quand même avant de partir. Tout est max. Je vais pas prendre la moto de Boozer. Faut que je retrouve la mienne avant la tombée de la nuit. Bordel de merde. C'est quoi Boozer, ça? T'es réveillé? Ouais, Dick. Quoi de neuf? Hey, je viens de voir un type fureté près de la planque. Quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. Bon, écoute, je vais le suivre et essayer de voir s'il y en a d'autres. Terminé. Il est pas tout seul. Nettoyer le camp de maraudeur. Ah ouais d'accord, il y en a quelques-uns. Activez les jumelles. Remarquez les ennemis, vous pouvez ainsi suivre les déplacements. Le niveau d'alerte des ennemis humains marqué est indiqué.
des bruits bizarres. Alors qu'est-ce que t'as trouvé? J'avais raison. Les deux drifters qu'on a vus sur la même moto, ils se cachent un peu plus loin sur la route. Ah ouais? Tu déconnes? Ils ont une planque de fou. Une sorte de tour de guet avec une clôture et tout. Reste plus qu'à leur prendre. Ça a l'air cool. Moi, je dis qu'on attend la nuit. On bute ces deux clowns et on s'installe des pères. Ah, tu sais qu'ils sont armés. L'un des deux a l'air salement amoché. Je dis qu'on peut se les faire. Ouais, allez vous faire foutre. Hey, comment ça va? Tant que Sam Fisher soit de sortie. C'est quoi? Je te prends ça. Changement d'arme. C'est quoi ça? Plus qu'un. C'était le dernier. Ils ont dû nous suivre jusqu'ici. Tiens, enfoiré. Approchez pas du mont Oléry. Bowser, j'ai trouvé leur camp. Non, juste des drifters qui voulaient nous piquer notre planque. Ça se confirme. Il serait temps de songer à bouger vers le nord. On s'occupe d'abord de ton bras. On verra après pour tailler la route. Je retourne vers ma moto. Terminé. Continuez. Oh, saloperie de mutant. Ah ouais d'accord, il y en a pas qu'un. Ah!
fois de l'endurance là. Pas mal. Bas de stratégie là. Putain, il manquait plus que la pluie. Quand c'est pas les mutants, faut qu'il pleuve. Pourquoi? Il faut toujours qu'il pleuve. J'ai l'impression que ça me suit. Jauge de durabilité. Les armes de mêlée trouvées sur le terrain sont fragiles au combat. Pensez à surveiller la jauge de durabilité. En termes de timing. T'as pu être loin. Je me rapproche. Allez, ma belle, où t'es passée? Voilà, j'y suis. C'est là que je l'ai laissé. Je pense qu'il y a de quoi se soigner là-dedans. Et merde. Putain! Chez Copland! Hey! Tu viens du camp de Copland? Oh, où est passée ma moto? Hey! Arrête-toi, putain de merde! J'ai pas piqué ta moto, mec! Je te jure! Je vais pas te buter! Arrête-toi, bordel! Oh, bordel de merde! Parle à Copland! Moi, je suis au courant de rien! Hey! Je veux juste ma bécane! J'ai rien fait, moi! Ok, là, je vais... Bowser, t'es là? Ouais, Dick, t'as trouvé ta moto? Ouais, les hommes de Copland ont mis la main dessus. Je me dirige vers son camp. Terminé!
Ah. Non, je peux pas les marquer. Saint-John, c'est quoi? Un fils de pute a piqué ma moto! Je suis pas au courant. Tu devrais parler à Manny. Ouais. Ok. C'est lui que je voulais voir. Système de prime, marchand. Mécano. Salut Manny. Salut, ça fait un bail que je t'ai pas vu. Ou alors, j'étais trop occupé. Trop de taf. Faut bosser dur ici. Eh ouais, la vie de campeur, quoi. Ouais, tu l'as dit. J'ai lu un livre une fois. Le zen et l'art de la mécanique. Tu connais? Non, on peut pas vraiment dire que j'avais le temps de bouquiner à l'époque. Tu sais, je tenais un garage à Farewell. Je le faisais lire à tous mes mécanos. Être mécanicien demande de la sérénité, que ça disait. Essaie de bosser l'estomac vide, ça tranquillise l'esprit. Manny, je cherche une bécane. Ouais. Oh là, tout doux. Je te déconseille celle-là. Pourquoi pas? Parce que elle vient juste d'arriver. Un abruti l'avait abandonnée dans la nature. Et merde. Elle est bien rouillée. Elle a été malmenée. Son proprio devait rien y connaître en moto. Sans mec. Je te jure, elle a dû en voir de belles. Là, on vient juste de la désosser. Elle avait même pas de pompe à carbu. Ça aurait pu nous servir. Ouais. Et une pompe à carbu comme celle-là, tu veux dire? Ok. Comme celle-là, Manny. Ok. Quand j'ai dit abruti, je parlais du type qui nous a ramené ce petit bijou, tu vois. Il l'a pas arrimé correctement. Du coup, elle a été secouée dans tous les sens à l'arrière. Et... Dick, faut qu'on parle. Du grabuge, on dirait. J'ai essuyé une grosse attaque hier soir. Corbericteur. C'est la deuxième fois. Moi qui pense qu'ils vous cherchaient, Boozer et toi. Oh, les gens disent des tas de choses dans le No Man's Land. Les gens s'entraident ici. Mais quand on manque de vivre, bah, c'est ce que ça donne. Vous êtes en pénurie? On pêche de la truite, la fonte des neiges alimente le lac. Et sans personne pour le réapprovisionner, on finira par en manquer. C'est comme pour tout. Ils ont des 8 matos, hein. On se sente. Quand j'étais gamin, j'allais chasser avec mon père. On construisait une cachette. On posait des pierres à sel. Et on faisait un vrai carton. L'hiver, on croulait sous la viande séchée. Je pensais que c'était pas légal d'appâter les cerfs, à l'époque. Mon père obéissait à une seule loi. La Constitution des États-Unis. Si vous voyez aujourd'hui, l'Amérique, pays de la liberté. Tu l'as dit. J'ai vu Léon l'autre jour. Ah ouais? Ouais, il avait quelque chose pour moi. C'est vrai? J'ai des gens qui souffrent ici, Dick. Ah, ce Léon-là! D'après toi, qu'il a mis les voiles, personne l'a vu. T'as une sacrée balafre, frère. Écoute, tu trouves son matos. Tu me le rapportes en main propre, Dick. Si tu fais ça, alors je verrai ce qu'on peut faire pour toi. La moto que tes gars ont volée, tu sais, celle qu'ils ont désossée. Récupérer, Dick. Récupérer. C'est ça. Je tâcherai de m'en souvenir. Sympa ta casquette. Quoi? Là, celle-ci. Je t'interdis de me toucher. Une petite minute. Léon avait la même casquette, non? Oh putain, je te jure. La ferme. Tu veux faire des affaires dans mon camp? Commence par me rendre service. Poup. Fais chier. Ok. Puisque je suis là, qu'est-ce que tu veux? Je préfère ça. Des drifters attaquent mes expéditions de ravitaillement. Ils sont dans la tour radio à l'est du mont O'Leary. C'est pas sur ton territoire? Non, ça l'est pas. Mais... je vais m'occuper d'eux. C'est ce que j'espérais.
personne nous prendra nos flammes. Le droit de porter des armes. Joyeux anniversaire, Corp. Saison de la chasse. On dirait qu'il avait un gosse. Gérard. Merde, faut pas qu'on te voie. Dick. Attends, je voulais juste te dire, je suis désolé. Je savais pas, je te jure. Est-ce que t'as la moindre idée du temps que j'ai consacré à cette bécane? C'était une moto de drifter, Manny. Je sais. Je vais me rattraper, je te jure. Je t'ai monté une nouvelle moto. Parce que t'oses appeler cette merde une moto? Je sais, en l'état... Écoute, je vais te décoter des pièces détachées. Je vais t'arranger le coup. Crois-moi. Ok, et pour mon réservoir perso, Manny? Celui que ma femme m'a offert quand elle était encore en vie. Pour ça aussi, tu vas m'arranger le coup? Putain, Dick, je suis désolé. Vas-y, dégage de mon chemin. Tu veux quoi? Les drifters dans la montagne, terminé. L'avancée également virée imminente. Les chasseurs de maraudeurs. Manny, écoute, laisse-moi regarder. Quand on crève de faim. Attends, je touche. T'aurais dû tirer. Ah, nouveau point de compétence, ça on n'a pas encore fait. Combat de mêlée, combat à distance. Permet de tuer les ennemis plus petits après avoir échappé à leur prise, d'accord. Bon début, trophée. Putain, c'est pas une bécane ça. Dérapage tout en accélérant, appuyer sur rond, j'allais dire zéro, pour faire un dérapage, ok. Bowser, t'es là? Ouais, Dick. Comment ça va? Et ton bras? Je te l'ai dit, je survivrai. Ok. Je vais quand même voir au checkpoint du Nero s'il y a des bandages stériles, la pommade ou un truc du genre. Ok, pas de problème. Je vais sortir, pour vérifier qu'il n'y a personne dans le coin. Non, Bowser, non! Tu es brûlé au troisième degré. Reste où t'es, repose-toi, d'accord? J'arrive le plus vite possible. Je crois que... Je dirais pas non, hein, tu... Ouais, si tu m'étonnes. Je vais voir ce que je peux trouver, je vais essayer. C'est là, le checkpoint du Nero. Faut que je trouve de quoi soigner le bras de Bowser. Ça t'a plu?
Sauvegarde à la moto pour faire une sauvegarde rapide maintenant. Triangle, ok. Elle est trop simple. Non, rien par ici. Mis la lumière. Bouteille de bière. T'as intérêt de marcher, t'as de ferraille. De l'essence. Ça aurait été trop simple. Quand on arrive à faire ça. Pas vu d'essence hein, pour l'instant. Ah, il a l'air d'y avoir des... Je pense qu'il n'y a pas encore avoir vu d'essence dans les coffres. C'est quoi ces bruits? Ferraille. Ouais. C'est une station de quarantaine sous juridiction fédérale. Merde, ça va rameuter tous les mutants à la ronde. Se battre ou fuir. Ça va leur faire combien de balles? Et voilà. Ça y est,
faut absolument esquiver avec carré. Je me crois dans Assassin's Creed là. La ferme. Le petit logo, ils auraient dû le faire encore plus des accès. Ça que j'ai tout mis à côté. Acheter une. Où est-ce qu'il a rangé ces trucs? Ouais. Bien me servir. Ok. Ouais, des bandages stériles. Pile ce que je cherchais. Il me reste plus qu'à ramener tout ça à Boozer. Tiens, salut toi. Injecteur du Nero. Vous trouverez des injecteurs dans les yeux et même les checkpoints du Nero, utilisez-les pour augmenter votre santé, votre endurance ou votre concentration de façon permanente. Oh, ah, c'est bien ça. C'est quoi ce truc? La technologie Nero? On dirait une espèce d'injecteur peut-être. Endurance. Pourquoi pas? Ah, oh non. Je me sens déjà plus fort. Petit dopage. L'ordre est tombé il y a quelques minutes. Tout ce qu'on a accompli ici, c'était qu'une perte de temps. Il y a des centaines de personnes infectées sur l'autoroute à l'extérieur de Fairwell. Pas moyen de les arrêter. Les checkpoints sont tous envahis. On se retire. Ok, j'arrive. Non, attendez. Attends, il n'y a rien à faire. C'est bien, j'ai peur. T'aurais dû tirer avec tes potes. Bienvenue dans mon monde. Boozer, t'es là? Boozer, réponds-moi, merde! Il répond pas. Où est-ce qu'il est passé? J'en ai besoin. Lydine.
John, ici Cope. Quand tu seras à la tour, ma liaison radio a été coupée. Je peux te payer pour la rétablir. Tu les connais ces types ou quoi? Parce que faire taire Radio Libre Oregon, ça me semble assez personnel. Tu m'étonnes que c'est personnel. Ils faisaient partie de mon camp. Apparemment, ça leur plaisait pas que je leur interdise de voler, de violer, de tuer. Bah, ben, peut-être qu'ils étaient juste comme moi, qu'ils en avaient ras-le-bol d'écouter tes conneries de complotistes parano. Terminé. Ah, je me méfie, j'ai une jauge de carburant avec ma moto. On va aller voir notre frangin. Hey Boozer, j'ai trouvé des trucs pour ton bras. Boozer? Merde, Boozer. Hey. Oh, putain. Bordel, Dick. J'aurais pu te faire sauter ta tête d'abouti. Oh, montre-moi ton bras, d'accord? Non, c'est bon. Allez, fais voir ton bras. Je gère. Hey, putain. Hey, Dick. Merci, mec. Écoute, j'ai moins tiré, d'accord? Ça va aller. T'aurais dû tirer, terminé. Donc ça c'est lié à l'histoire, c'est mon frère. Next, quand on crève de faim. Localiser le camp ennemi de la tour radio de Cascade.